Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur Captive Minecraft 2. Alors je tenais à vous dire, bon l'XP j'ai merdé, c'est normal. Tout ce qu'il fait a été normal, je suis juste... Mais on a un autre souci qui est arrivé. Un souci bien plus grave, j'ai envie de dire. Chercher du bois en haut. C'est parce que vous m'avez dit en commentaire, enfin il y en a certains qui m'ont dit fais gaffe, moi j'ai eu des soucis et tout avec laine machin et tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La bête. J'ai tourné un épisode comme d'habitude de Captive Minecraft, sauf qu'avant de le tourner, je me suis dit bon, il y en a qui ont eu des soucis et des soucis plutôt gênants, je vais l'expliquer après. Donc moi je suis pas fou et je vais tout simplement faire une save de la map dans l'état avant le tournage. Comme ça, si vraiment j'ai un souci, je pourrais reprendre ma save et justement vous expliquer le souci. C'est ça que je voulais. Et donc c'est ce qu'on va faire, tout simplement maintenant. Alors on fait un coffre. Pourquoi? Pour stocker nos items. Pourquoi stocker nos items? Tout simplement parce qu'on va dans l'end. Et vous dites quoi? Ça, tu stockes tes items pour aller dans l'end? Mais en fait, tu vas pas dans l'end. Eh bien oui. Et bien oui. Donc on va stocker tout notre inventaire ici. Donc de manière assez random, je vous l'accorde. Mais on aime ça. Mais j'avais pas envie de mettre les coffres collés. Je sais pas pourquoi. C'est une question de symétrie. On n'oublie pas nos items sur nous. Et on a 14 levels. Donc ce qu'on va faire, c'est simple. Non, ce qu'on va faire c'est un petit peu plus complexe. Ce qu'on va faire est un petit peu plus complexe, on va pas descendre tout de suite. On va faire hop. Hop. Voilà. On remonte. Et vous dites mais qu'est-ce qu'il fout ce connard? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On a plus de canne à sucre. Fuck. J'ai envie de faire des livres. Je vais enchaîner un masse livre. Parce que j'ai aussi découvert autre chose de Minecraft. Il doit y avoir des... Non mais j'en ai genre vraiment plus du tout de la canne à sucre. Genre plus du tout du tout. Genre y a pas de la canne à sucre que j'ai pas vu. Ou des livres déjà faits. Hein. Là c'est le moment où je regarde dans le coffre et comme d'habitude je loupe les trucs. Vous avez l'habitude. Bon là il y a lui, je suis pas aveugle. Mais c'est tout, il n'y a pas de livre là-dedans. Non, il n'y a pas de livre là-dedans. Ok. Oui, non, je peux pas faire ça avec ça. Ok, je sais ce que je vais faire, les amis. Puisque le but c'est de montrer un problème, mais on va pas faire ça n'importe comment non plus parce que le truc c'est que je vais mourir. De manière assez atroce. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer un peu de canne à sucre avant. Donc je vais faire une petite ellipse le temps que la canne à sucre pousse. A tout de suite. Bon, c'est très très long, je ne suis pas très très patient. On va redescendre. On a deux bouquins qui ont été créés les amis. Et le temps qu'on fasse, enfin que je vous fasse la démonstration d'un truc que vous connaissez déjà sûrement très bien mais qui sera optime, eh bien je vais pouvoir remonter et en récupérer. Voilà, on a lu le piece ici. C'est très simple, enchante un livre avec pas efficiency, pas protection. Nick knockback, merci, on recommence. Bon ok, excusez-moi, on va la refaire de manière un petit peu plus violente. Où sont les torches? Merci. Bonjour. Bonjour, allez. Tu me proposes quoi maintenant? Tu me proposes quoi? Protection, knockback. Ok, je me fais troll. Ok. Qu'est-ce que tu me proposes? Protection, knockback. Tu proposes pas des trucs pour les épées? Les épées, tu connais les épées? No? No happy for you? Non mais sérieusement, il propose que des trucs pour les armures? Ah non, Ban of Atropod, on l'a. Bon évidemment, il coûte 5 et on... Si on a 5 d'ailleurs, mais... Mais il voulait pas qu'on l'ait. Efficiency. Efficiency. Et donc voilà le projet. J'étais super content, genre ouais, c'est trop optimisé. Ouais, c'est ça le projet.
Protection, knockback, hein, génial. Protection, génial. Protection, génial. Efficiency, génial. Sérieusement, qui est content d'avoir efficiency? Personne. À aucun moment dans ta vie, tu te dis, oh, j'ai eu efficiency. Non, tu fais pas ça quand t'es quelqu'un de sain. Tu as quelque chose à ajouter? Ok. Bon, cette stratégie était très bien, mais elle est devenue très nulle. C'était une stratégie pour avoir une épée de cheatée. Bon, l'épée sera pas cheatée en fait. Hein. On va faire 100, on va faire 100. C'est tout ce que j'ai à dire. À part si, et la question est là. Si. Et donc là, on n'aurait pas besoin de livres. Si les épées à l'enchantabilité magique. Voilà. On en veut 4 au calme. Lorsqu'on les enchante à bas level, donc on met nos torches pour évidemment bloquer les levels, hein, ceux qui ne connaissent pas la méthode, je vous l'annonce. Knockback, c'est pas trop mon kiff, mais si je mets un autre item, peu importe l'item, tu comprends que j'essaie de t'arnaquer, d'accord. Alors non, knockback c'est vraiment de la merde. Non vraiment, arrête. Ça devient gênant. Non, je te jure, arrête. Tu sais quoi, je vais me faire foutre. Je vais me faire foutre. Je vais profondément me faire foutre. Je prends mon épée en diams. 14 level 1, comme de par hasard. Fire Aspect. Ah, j'adore. Fire Aspect 1. Ok, on est content. C'est absolument pas ce qu'il nous faut. Mais on s'en fout. On s'en fout, on a la troisième tentative de suicide. Ça prend, c'est beaucoup trop compliqué. Il faut être ingénieur pour comprendre le système. On n'a rien sur nous et on se casse pour aller mettre en évidence le problème soulevé lors de l'aventure Welcome to the End, qui est très problématique. Qui est très problématique. Bonjour, excuse-moi, je peux pas trop te tuer, j'ai pas la vie pour, merci. Je vais descendre plus vite que toi, comme ça tu me rattraperas pas, et je resterai en vie. On fait ça comme ça? Allez, bisous. Bisous. On a déjà plus de barre de faim. Ah oui, non, mais on en avait déjà plus. En fait, j'avais couru comme un con autour de ma canne à sucre. Il m'a pas vu. Ça s'est très bien passé. Donc là, toute cette épopée, c'est pour crever instantanément. Et là, vous dites, mais pourquoi crever instantanément? Tu nous as toujours pas dit, Unstar. Oui, je parle comme ça. Ou vous parlez comme ça, c'est une question de point de vue. J'ai cassé une torche, merde. Voilà, ni vu ni connu, personne nous tire dessus. On dirait qu'on est en game mode, tellement c'est abusif. Voilà, hop là, au calme. Donc pourquoi, tout simplement? Oh, je peux laisser le suspense, c'est juste à côté. On a un truc magique que je ne saurais expliquer, pour être tout à fait honnête, qui est la magie du suffocating wall. Oui, monsieur. Oh oui, monsieur. Voilà. Et là, on se dit, quel est le projet? Quel est complètement le projet? Parce que suffocating wall, je veux bien, mais pourquoi? Pourquoi suffocate in a hole? Donc, l'objectif là va être d'essayer de résoudre ce problème. Je suis désolé, hein, moi je voulais faire un épisode où on tue l'Under Dragon, c'était ce que j'avais préparé au début. Le problème c'est quand t'arrives, bon, t'as fait ta sauvegarde donc tu vas quand même plutôt confiant, tu te dis ça peut pas se passer trop mal non plus. Enfin, au pire je meurs, je reviens, c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis mort, je suis revenu et je suis remort et je suis revenu. Et je suis remords. Je me suis dit au bout d'un moment, bon, ok, on peut pas faire varier ça, donc on va faire varier autre chose. Tout simplement, le fait que je puisse pas mourir. Et le fait que je puisse pas mourir, je m'étais dit, bon, je vais déplacer le sol. Je suis un dingue comme ça, moi je déplace le sol. Alors là, il nous voit pas, donc on est tranquille. Là, il nous voit vraiment pas. Littéralement pas. Genre hop, salut. Donc là il nous voit pas et je me suis dit je vais déplacer le sol. Donc j'ai essayé 2 secondes de déplacer le sol, 2 mini-secondes, et j'ai été confronté à un autre problème. Et oui, il y a d'autres problèmes, évidemment. Qui était le suivant, et vous allez le voir tout de suite. Donc évidemment quand on y va, on ne suffoque pas une hole.
dans ce cas-là, The Farlanders left the game. Ça m'a fait ça plusieurs fois. Je ne comprends pas. Donc voilà, je suis tranquille et tout. Je ne peux pas casser de bloc. Nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Genre, je sais même pas si je peux taper ces messieurs. Ça sent la zone cheatée un peu quand même. Et voyez, on se retrouve dans des bugs de collision un peu dégueu. Là, on a l'air d'être délimité sur une zone. Ça, je ne le savais pas à l'époque d'avant. On va prendre cette Thunder Pearl. On va sortir de cette zone. Je ne peux pas utiliser Thunder Pearl. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le game mode? Est-ce qu'en enlevant le game mode, je vais me faire instantanément tuer? Ah, une fois qu'on a réussi à rentrer dans cette zone de confort, on reste en vie. On peut toujours pas casser le bloc, mais on reste en vie. Il y a toujours des trucs dégueulasses par terre. Et si je fais ça, je sors de la zone, mais je suffocate in a wall. Donc je pense que pour faire cet objectif, il faut une zone plus grande. Mais plus grande comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas comment faire. By the way, si on va dans Achievement, vous voyez que l'objectif est fait. Après, il y a un autre objectif, après, évidemment. Defeat the Ender Dragon, qui est suivi après par The Beginning. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais il faut le tuer, cet Ender Dragon. Je peux le tuer en cheatant, il n'y a pas de... C'est pas compliqué, hein, je fly, je prends une épée, je casse ce qu'il faut casser, je pense que ça marche, il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Adventure Time, Discover All Biome. Oh, sympa. Mais c'est pas intéressant. Et voilà, quoi, j'ai envie de vous dire, c'est pas normal que je sois buté quand j'arrive dans le Nether. Donc, la question est, les amis, comment va-t-on faire pour résoudre ce problème? Parce que j'ai aucune motherfucking idée. Pour de vrai, hein, j'ai pas d'idée. On peut peut-être essayer d'y retourner. Est-ce que vraiment c'est pertinent d'y retourner, quoi? Est-ce que perdre son temps à retourner dans cette zone buggée va nous faire avancer la chose? Je ne pense pas. On va descendre, on va se taper un petit peu et je pense qu'on va y retourner encore une fois. Mais voilà, j'ai vraiment envie de comprendre en fait. J'ai vraiment envie de comprendre. On a une zone un petit peu plus grande maintenant. On a un challenge qui est Discover All Biome qu'on ne peut pas faire. Ce nouvel accès qui a été créé. Ah oui, mais la limite étant ici, on peut pas aller là-bas. Pourtant, ça a l'air trop cool là-bas. On a accès pour de vrai au coffre de juste à côté maintenant. Donc on fait pas les dégâts qu'on veut faire. Oui, ça fait 4 dead les dégâts ce truc là. C'est n'importe quoi. Mais pour le faire, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il faut un smite 2 genre. Et il faut un smite 2, c'est pas anodin. Il faut un smite 2 sur une épée en diams avec un coup critique et ça le fait aisément. Mais est-ce que c'est si aisé que ça de ramener un smite 2 sur une épée en diams, machin et tout? Bah, on l'a vu juste avant, je pensais que ce serait plus simple d'avoir des enchantements cool. Parce que je pensais que smite c'était pas non plus un enchantement de dingue et tout. Et en fait, même smite c'est un enchantement de dingue. Parce que là, bon, je pense que si je m'étais pris un petit peu plus la tête sur ma Diamond Sword, je mettais smite 1. Smite 1 sans trop de soucis, ou Ban of Atropod, ça marche aussi, c'est le même principe, c'est juste qu'il faudra pas faire les dégâts sur le même mob, mais c'est le même principe. Mais donc je suis très perplexe, je suis très très perplexe à comment je vais faire ça. Hop là, ah, ce chemin est rapide, ce chemin est risqué s'il y a des mobs dehors, mais ce chemin est rapide. On descend, on remonte, wait what, c'est pas normal. Descend de l'autre côté. Ah, ça c'est mieux. Voilà. Et là on peut tenter des invocations vaudou de tout type. Ah, on va peut-être récupérer du stuff. Donne-moi ton stuff, bâtard. Donne-moi ton stuff, baby. Ton stuff, baby. On a récupéré du stuff pour de vrai.
watching me. Hey, j'ai bloqué. Voilà, donc on a récupéré du stuff, bitches. Ici, y'a rien. Bon, appel, c'est moi qui l'ai fait cet accès. Et qu'est-ce qu'on peut tenter? Qu'est-ce qu'on peut tenter comme invocation vaudou, motherfucker, pour corriger le bug? Est-ce que si je me mets sur ces blocs-là, je me fais TP? Non. Théoriquement, non. Peut-être que je peux aller dans le coin le plus à mon opposé et tenter. Ça a pas marché. Ça a vraisemblablement pas marché. Non, 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 non. Et imaginez-vous, n'empêche, hein, faut quand même le dire, c'est que la première fois, j'avais genre passé 10 minutes à préparer bien mon truc et tout, pour au final me retrouver par me faire one shot par la violence ultime. Comme ça, en mode, ah, au fait, non. Ok. Ok, t'es pas mon ami, c'est comme ça que tu veux la jouer, on va la jouer comme ça, quoi. Mais non, non, c'est atroce. C'est typiquement atroce. Mais donc, j'ai pas de solution à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment faire. Donc, j'ai besoin de votre aide pour me dire, ah, au fait, Hunster, il suffit, en fait, c'est un problème connu et tout. Il suffit de faire ça et tout. J'ai pas cherché sur internet, il faudrait que je le fasse aussi. Mais voilà, si les gens ont fait la map et ont la solution à ce problème, je suis tout à fait preneur, hein. Mettez un commentaire et pouce vérité les gens qui ont la solution, de l'autre côté de vous, si vous ne l'avez pas, envoyez-moi un tweet, envoyez-moi un message Facebook, faites un truc, quoi. Voilà. Faites un truc, j'ai besoin de vous, j'ai besoin, s'il vous plaît. Non, pas moyen d'en avoir d'autres. Ok, on descend. On redescend. Ici, on va récupérer voilà, le blé. On fait des trucs de manutention basique. Parce que on peut pas faire mieux. On est bloqué. Voilà. N'empêche, on a toute la zone de fête. Ce qui est plutôt classe. Non. Je me suis dit, ah, on peut peut-être descendre de ici en instantané juste en dessous. Et après, j'ai réalisé, j'ai fait, mais attends, mec. T'as absolument pas créé de passage ici qui mène vers au-dessus. Ça n'a aucun sens ce que tu racontes. Voilà. Donc on est tout nu. On finira cet épisode tout nu. Comme ça, bon, on a toujours notre armure du skin. Mais on va se laisser. Donc l'épisode est un petit peu plus court que d'habitude. Je suis désolé. Mais dites-moi comment faire si vous savez. Voilà. Ça aurait été un épisode non productif. Mais ce sera surtout un appel à l'aide. Je suis désolé. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. C'était Hunster Bleacher. Oh yeah. Allez, bye bye. Oh, cette voix super grave. Je ne sais même pas comment c'est sorti de moi.